Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. T'es passé. Boy. We're hunting deer, boy. In the direction of the deer. Boy. Te voilà. You shoot when I tell you to shoot. Oh, mais la tenue, Joël. Mais la tenue. Mec. On peut marcher sur les brindilles. Écoute. Si Lara Croft a survécu à une barre, à une tige d'acier dans l'abdomen, mon Joël, mon gars sûr, qui survient à une apocalypse zombie, c'est garanti. Bon, ce jeu est un chouïa plus réaliste. Oh, j'ai tellement bien fait d'upgrade l'arc. Approcher un tout petit peu. En plus, on est à contre-vent, donc il sent pas notre odeur. Bon, allez, faudrait peut-être que je tire quand même. Bouge pas. Ben, il bouge là, il fait chier. Fuck! Fuck me! Maintenant il est scared. I cannot hunt deer. I'm not a boy. I miss the deer. Fuck me. Comme quoi, j'ai pas fini God of War. Si j'avais fini God of War, je l'aurais eu. Donc c'est bien la preuve que God of War... Est-ce qu'elle a le mode écoute? Oh yes, elle a le mode écoute. Ah, il est là-bas. Non, je rigole, je sprintais pas. Merde. Bah ouais, là je suis dans le sens du vent. Oh, je me suis tellement foiré, je suis déçu de moi-même. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de lui mettre un headshot, alors j'aurais pu tirer dans le corps. Et le blesser et puis le suivre, mais il aurait souffert. Alors qu'un headshot, voilà qu'au bout d'un moment... On va passer par là. On va passer par là. Ouh, ouh. Voilà, j'ai préféré assurer la gagne. Non, on ne pourchasse pas le cerf. On le chasse, comme ils disent. C'est le boy. We're hunting deer, not chasing it.
Listen, boy. You shoot when I tell you to shoot. Oh, est-ce qu'on l'achève? Je crois que c'est bon là. Oh. I'm sorry, dude. Oh merde. Quoi? J'ai tiré histoire de... le terminer, mais bon. Ça commence à être chiant. Hein. Il est parti là-haut. Non, t'es encore vivant. C'est horrible. Parce que j'ai pas mis de headshot ça. Sur le deuxième coup, j'aurais dû mettre un headshot vu que je l'avais déjà touché. Est-ce que je l'entends? Donc il est vraiment loin. Hein. Là, il y avait écrit un truc là. Hip out, toi, ok. T'en fous complet. Non, même s'il y avait écrit un truc, on a rien à foutre. Mais il a quand même bougé la tête vachement. Que quand je l'ai tiré pour le headshot, c'était juste au moment où il s'est arrêté là quand ça a baissé la tête. Et tantôt, quand il a baissé la tête, il est resté vachement longtemps comme ça. Du coup, je me demande si. Oh putain, merde. Ah, c'est une mauvaise idée, on peut laisser tomber le dire. Hein. Si c'est pour des... Non, si tu tombes... Toujours comme ça, si tu tombes dans un endroit et tu peux pas revenir, c'est une mauvaise idée. Mais bon. Oh, super. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Pas du tout. Bon, si on peut loot des items... c'est qu'il est mort. Ok, il est mort. Non, je rigole. J'ai dit ça quand j'ai vu le ciseau. Génial. Nice. Bon bah Joël, hein, moins puissant que Lara Croft quelque part. Est-ce qu'on peut crafter des items? Oh yes. Par contre elle est sans stuff la meuf. Hein. Le pauvre. Mais au moins j'aurai de quoi manger. Par contre pour le transporter, découpe des morceaux et puis c'est bon, prends pas tout. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Voilà. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid?
Prenez-le avec vous. Voilà. Elle sait bien négocier, la petite. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. La compagnie meurt. Comment tu t'appelles ? C'est pas tes oignons. Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Casse pas les couilles. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Ouais. Nouvelle arme, fusil de chasse. Défends les fenêtres. Ok. 7 balles. Puisqu'il en faut pour tuer tout ce qui bouge. Maras. Ils sont en sur ta gauche. Fuck me. Ah mais c'est tellement chaud. C'est pas Joël au cac hein. Fuck me. Putain, c'est chaud. J'ai gaspillé tellement de balles, je suis tellement qu'une merde. Tu plaisantais pas ? T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Ah bon ? Non mais je suis... Ok, bah je suis doué. Hein. J'ai toujours eu beaucoup d'expérience. Voilà, Jab, ça va ? Ouais, tu le pousses très bien tout seul, allez, mec. Donne-moi un coup de main. Ah, mais c'est bon. Bon, allez, vas-y. Sur le dernier centimètre. Fuck, vas-y, j'avais raison, j'aurais pas dû t'aider. Fuck me! Ouais, bla bla bla. Oh, je suis nul. C'est trop compliqué ce jeu. Rien par ici. Moi, je déplace pas le truc avec toi. Ah, ok, il est déjà placé. Oh, Seigneur, y'en a plein qui nous arrivent dessus. Ouais, je les vois. Fuck me. Oh mais j'ai tellement plus de PV. Des munitions pour le fusil. Vite, recharge. Putain mais nique ta race. Oh, fuck me! J'ai plus de balles! Oh, fuck! C'est trop compliqué ce jeu vidéo là! Après j'ai pas de. Ah mais merde, j'ai un arc aussi! Bon, on va jouer à l'arc. Oh fuck. Ah merde, c'est vrai que c'est un claqueur. C'est vrai que c'est un claqueur. Mais ils font bouger aussi, c'est compliqué hein. Rien par ici. Ouais, on a compris.
gamin qui nous arrive. Je les vois. Putain, je suis trop nul. Fuck me. Blah. C'est parce que j'essaie trop de mettre des headshots. Alors que tu peux tirer dans le corps et ça passe. Ah là, il était mort, merde. Tiens, utilise ça. Et les flèches, j'ai plus. Mais ils viennent d'où ces bruits ? Je suis tellement au zéro de vital par contre. Bah c'est bon. J'ai même pas dû tirer. D'huile ? Non. Attends, faut que je me heal mec. Yes ! J'ai une barre. La voie est libre. Attends mec. Des ciseaux. Il me faut du loot. Tu tiens le coup? T'as raté un casier, oh, c'est pas grave. C'était un peu l'urgence. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Oh fuck! Oh mon dos. Hey, petite, ça va bien? Ça va. Dis-moi top. Des claqueurs. Sors de là. Oh, fuck. Ok. On va se la jouer discret. Enfin, on va essayer. Oh, du chiffon, des explosifs. Est-ce que je peux crafter des trucs? Rien du tout. Oh fuck. Par où est-ce que je peux passer? On dirait pas que c'est un claqueur le mec à droite là. C'est ça le problème. On dirait que c'est un mec alors attends, je vais jeter ça là et puis je vais passer à gauche. Attends deux secondes. Ouais. Vas-y. Allez vers la brique. Et restez là-bas. Oh fuck me. Couteau. Oh, elle a un couteau qui se casse pas. Elle est cheatée en fait.
revoir. Elle est trop cheatée. Joël, c'était une vraie merde. Bon, après, je suis au zéro de vital. Vas-y, go. Yes. Imhotep. Allez, la porte est par là. Go. On peut utiliser cette échelle. Ouais. Fais-moi monter la courte échelle, je connais pas. Bon, attends. Non, c'était pas une échelle, ça. Fais-moi monter, cool. Voilà. Allez, dépêche-toi, petite. Ok, dépêche-toi. Fais attention aux infectés. Je sais. Si je cours, c'est bon. Fais assez attention comme ça. De toute façon, je peux leur mettre des coups de couteau. Du coup, ça va en vrai. Faut juste qu'ils m'entendent pas quand j'arrive. Là, je suis assez silencieux, je pense. Tiens. Ouais, c'est bon. Ils peuvent pas monter de toute façon. Mais ces bruits dégueulasses, c'est tellement chiant. Allez, tiens. Ok. Tiens, papy. Ah merde, faut que je descende, ok. Moi d'abord. Putain, mais connard. Par ici. Mais d'où ils viennent ces cris? Ils sont tous morts. Non, non, c'est une cam que j'ai. J'ai pas la PS cam d'ailleurs. Je joue pas à ce genre de jeu qui ont besoin de la PS cam. Ah là, j'ai du loot. Là, je peux me healer. Mais bon, je vais peut-être pas me healer tout de suite. Ah, y a pas besoin de faire de surin parce qu'elle elle est en mode surin de la vie. Dans ce cas, je me fais des explosifs. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Je vois. C'est un bon choix en vrai. Prépare-toi. En tant que j'ai une bouteille, moi je suis bien. Ils vont venir d'où du coup? De là? Ah fuck. Tiens. Lâche-moi. Continue, petit. Fuck. Fuck, j'ai réussi à rater. Ah! Ils viennent de là.
Il s'en occupe, c'est bon. Allez, papy. Tiens. Oh merde! Oh, ils viennent tellement de partout. Joint difficile en plus. Du coup, ils cassent tellement les couilles. Ah merde, faut que je me les refasse. Très bien. Tiens. On va reprendre une brique. Tiens. Non, j'ai pas de PV. Vous entendez? Sur le toit. Je sais. Oh fuck you. Mais what? Là par contre, parce qu'il avait pas encore pop. Du coup, je pouvais pas le tuer, c'est ça? Oula. Donne-moi des munitions. Yes. Qu'une seule balle. Gamin. Il est où? Oh fuck. Tiens. Ah mais c'était pas un infecté lui. Redonne une balle. Vite, il me faut une brique. On s'en sortira, petite. J'en suis pas si sûr. Reste concentré, ça va aller. Ah, je m'en sors bien là. Ils sont combien au juste? J'en ai aucune idée. Allez, t'arrêtes pas. En mode extrême et survivant, t'as pas le mode écoute. Ah bah du coup, j'ai bien fait de pas faire mode, ces modes là. J'ai fait les modes. J'ai pris difficile et les autres. Le truc, c'est qu'il y avait pas de description, alors j'ai pas voulu tenter. Merde. Je pensais pouvoir lui mettre une auto-attaque, mais j'ai trop peu de PV. Alors, j'en suis où par contre? Je m'en rappelle plus. Parce que ça sauvegarde à des moments bizarres le jeu. Bon d'accord, je vais me soigner. J'ai pas trop envie, mais bon. Fuck me! J'ai raté. Putain, mais cette phase elle est chaude! J'ai aucun item, je suis au zéro de vital. Après, je peux garder la balle pour. Par contre, envoyer des. Oh merde! Ah. Lui, je l'ai pas vu venir. Oh fuck me. Oh vas-y, ça. Ah, je suis mort d'une gifle, il m'a même pas mangé. Oh fuck me. Fuck me. Merde, j'ai la mauvaise brique. J'avais le molotov. Oh yes, des balles. Des balles? Pas de balles. Ouah, mais nique ta race. Lui, je vais le brûler. Tiens. Les couilles. Non, il va me jeter une grenade. Normalement, la grenade, elle doit rien me faire parce que moi, je suis immunisé.
putain. Prends ce réflexe couteau. Bon, je vais aller me soigner quand même. Hop. Il veut pas décéder lui. Genre il est pas mort. Ah mais j'ai un petit gun. Merde. J'ai pas loot de... Je lui ai pas mis le headshot correctement. Il a quoi TV ce gros là. Je vais jeter une bombe. Je crois qu'il a même pas pris. Rends-la moi. Oh fuck. Lui il s'en bat les couilles, il se balade. Tiens. Mais... Oh fuck, c'est vrai que ça... Ça fait quand même quelque chose. Bon, on va lui mettre des headshots. Ah bah voilà. C'est vrai que j'avais augmenté la puissance de mon arme. Voilà, Jakamad 79, merci pour le follow. C'est gentil. Je ramasse la grenade. Bah c'était facile. Je suis juste mort 39 fois, ça va. Ça va. Putain mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une phase où on est mort en vrai. Du coup ça va, le jeu il me rappelle que je peux mourir. Un peu comme Joël, MDR. Ah Joël, hein, il est pas aussi efficace que Lara Croft. Lara Croft quand elle se prend des trucs dans le bide, elle survit. Hein? Allez parle. Pas d'infecté. Qu'est-ce que... T'es fou, il y en avait plein. Ok, on y retourne. Fais pas trop confiance à ce type, hein. Fais gaffe. Hein. So you're the one that the boss keeps talking. Oh là, Jabir. Bon, toi, t'es un frère, c'est normal. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Tu sais que Kadir, c'est le premier mec qui m'a follow. Non, tu vois... Je m'avais dit tout, tu stream, je te follow. Pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver... était particulièrement rude. On parle pas. Il y a quelques semaines, j'ai... envoyé un groupe d'hommes... chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été... tués... par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Ah, ça c'est nous. C'est ça que je me disais. Tu vois? Moi je suis tout seul. Hein. Tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Allez, barre-toi, connard. Je t'emmerde.
Je peux te protéger. Non, merci. Niquez-vous. Comment elle est remontée? Quand je suis tombé, c'était vachement haut. Allez. Oh, il est même pas parti. Quelques cataclopes plus tard. Joël ? Ah, il est là, mon frangin. Mon gars sûr. J'ai pas grand chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Désolé. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Allez, Joël. Me disais bien que tu pouvais pas être aussi nul que Lara Croft. Ouais, Uncharted, j'ai fini. Il y a d'ailleurs, faut que je te remette tes jeux. Un jour. Oh putain, ils sont revenus me chercher. God damn it. Oh merde. Ils m'ont suivi. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Rendez-moi mon Joël. Elle est trop compliquée à jouer. Ah, il y a encore des cinématiques. Oh fuck! Ramène ton petit balle! Attends, bute là! Mais David a dit qu'on s'en branle! Bute là! David a dit que. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous tuer? Oh fuck! A droite, à droite! Mais non, mais j'allais à droite! Quel jeu de merde! A gauche? Aïe! Mais il a pop! Il a pop! Il n'était pas là, lui. Bande de connards. À gauche. À gauche. À droite. À droite. À gauche. Ok, pour le moment, on a un pattern craqué. Personne peut nous arrêter. Mais ils sont combien? Non, mais ils vont tuer Joël. Oh, il a rien fait le cheval, parle bien. Connard! Ablette. Enfin. Tourbionix. Je sais plus comment ils l'ont appelé. Non, merde. Putain. Elle a déballé la porte quelque part. Je la vois pas. Oh là là. Mais c'était pas un jeu de zombies à la base? Plutôt d'humain connard? Merde, y'a rien. Y'a rien. La porte. Du loot. Mais y'a rien. Faire mon temps, mode écoute.
Non. Bouteille. Oula, flèche. Combien de hommes? Mais c'est eux qui m'ont attaqué, donc à la base ils font genre, mais c'est eux les connards. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Ils sont deux. Un. Ok. Je gèle les couilles. Fouillez cette baraque. Y'a un étage ou pas? Y'a pas d'étage. J'ai quoi? Ok. Je peux mettre. Je peux en tuer un avec bouteille into auto-attaque. Et les autres. Est-ce qu'on peut attaquer dans le dos les gens comme avec Joël? Ou est-ce qu'elle est trop faible? Pour ne serait-ce qu'envisager le truc. Oh merde! Oh fuck me! Oh merde! Tiens, prends ça! Oh, elle est violente, hein. Nouvelle arme fusil à pompe. Mais ramasse les munitions avec. Bon, j'ai pas pu tester ce que je voulais. En même temps, je l'ai pris un peu trop pour un con, le mec. Oh fuck. Ah merde. Mais pourquoi j'essaye de combattre comme avec Joël? Oh fuck. Je suis mort. Ah non. Tiens. Bon, faut pas combattre comme avec Joël. Faut combattre comme avec une enfant. D'ailleurs faut utiliser ses munitions. Ils sont où? Je sais pas où ils sont. Fuck. Ah merde. Salut. Fuck. Pourquoi j'avais l'arc? J'avais un gun à la base. Pourquoi elle a sorti l'arc? Bon, je vais essayer de la jouer plus discret. Du style, je vais me barrer d'ici. Je vais sortir par la fenêtre. Et je vais contourner la maison. Ah merde, il y a un caillou. Et par là-bas? Oh merde, j'ai oublié de traverser la maison. Quel jeu de chiasse. Allons fouiller la maison. Oh là, dans cette baraque. Ok. Je vais éviter le canapé du coup. Merde, j'aurais dû me mettre dans le placard. Voilà, c'est trop tard, je pense. Oh fuck. Ah, c'est bon, il est allé de l'autre côté. Alors, on va voir si on peut attaquer les mecs dans le dos. Oui. Ok, on peut. C'est vachement sanglant, mais on peut. Ouais, ils s'excitent, ils ont compris? Oh. What? Fils de pute. Oh! Connard! Je suis qu'une enfant, hein. Ouais, bon. On va peut-être tuer les gens quand même. Aïe. Tu résistes plus que Joël en tout cas. Bon, elle est où? Enfin, ils sont où? Est-ce que je peux avoir sa tête là? Oh yes! Ah, ça c'était bien. La tête du mec. Oh, je me suis fait toucher, Taras.
Moi je peux pas. Est-ce qu'il y a d'autres mecs? Je sais pas. Je vais aller près du bateau. Aucune idée. Et les phases avec la gamine sont plus compliquées. Hein. Ok, il me donne le fusil à pompe. Malgré tout. Le mec là-bas avait rien loot. Le mec dans la maison non plus. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être qu'il n'y a plus personne en fait. À manger. Mange cette barrette périmée. On va encore faire des grenades. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À part mourir. Ah! C'est quoi ça? Ah, c'est des bouteilles, merde, j'avais l'impression que c'était les fumigènes. Ouh, il fouille comme te l'a appris, Joël. Vas-y, petite. Oh là là. J'avais tellement de loot avec Joël! Toutes ces heures de farm perdues. Tout ça pour un cerf à la con. Oh merde. Hey, t'as vu ça? Oh fuck. Cours. Et merde. Niquez-vous. Ils arrivent vachement vite. Sors le fusil à pompe. Ouais ouais, j'ai pas eu le temps. Je voulais sortir le fusil. Oh putain, je vais me refaire toute la phase. Ils sont morts ou pas? Oh fuck me. Je vais le faire différemment. David peut aller se faire foutre. Je prends pas de risque avec elle. Oh putain! Ah merde, j'en ai tué qu'un. Fuck me. Putain de merde! Ouais. Je vais jouer plus agressif du coup. Fuck me. C'est vraiment qu'une merde. Mais ça tue même si tu touches pas la tête. Prends-moi la tête. Tac tac. Est-ce qu'il y avait des trucs ici? Je me rappelle plus. Visiblement non. Mais je crois qu'ici j'avais fouillé avant que ça sauvegarde. Du coup je suis bien. Prendre la brique, je préfère. Bonsoir, Rimiraf. Bon, ok, je sais que je peux fouiller tranquille jusqu'à ce que les mecs ils pop derrière. What? Il m'a vu? Oh fuck me. J'aurais pas dû la jouer trop. Y'a un mec. Y'a un mec dans le bâtiment là. Ils sont même deux. Et merde. Je vais faire un truc risqué, mais voilà, je vais traverser par là. Et looter, voilà.
mes flèches, tout ça. Mais il est... Il y avait quoi d'intéressant dans ce bâtiment ? Mais le mode d'écoute, je l'avais augmenté, mais c'est que pour Joël, j'imagine. Elle a un mode d'écoute de chiasse. Et encore ma flèche ici. Par contre, j'ai l'impression que les flèches résistent mieux avec elle. À pompe et trucs qu'on va récupérer rapidement. Ok. Juste bouge plus. Voilà. Merde, il rebouge. Oh, vite. Fuck! Alors là, ça méritait pas de toucher, mais merci le jeu. Ça méritait 100% pas de toucher. Oh fuck. C'est bon, il me voit pas. Ouais. Yes. Elle est contente, la gamine. Non, la brique, je préfère. Pourquoi j'aime bien les briques. J'aime bien le bruit que ça fait quand tu l'envoies dans la gueule. Non mais franchement, les flèches se cassent moins. Bon, là comme par hasard, quand je dis ça, la flèche est cassée, mais... J'ai l'impression que les flèches résistent mieux avec la gamine. Il y en a encore un autre là avec sa... Il est un peu plus résistant, c'est... Ah non, c'est... J'ai cru que c'était le mec avec les gilets pare-balles. Pas du tout. Oh fuck, j'ai raté. J'ai un peu trop pré-shot. J'ai vachement pré-shot même. Oh putain, mais ils arrivent en plus. J'ai plus qu'une flèche. J'ai plus qu'une flèche. Bon là on joue un peu plus agressif parce que bon... Moi j'essaie de m'amuser mais le jeu il me tue. On va tuer, hein. Ça c'était une mauvaise idée. Quoique, en vrai, si à un moment il bouge pas assez longtemps, moi je tire. What? Il était hors de portée, il y avait pas le point bleu, mais j'ai pas pensé. Bon, est-ce que c'est le dernier? J'espère que c'est le dernier. On dirait que c'est le dernier, ça a pas fait d'alerte. Mais il m'a vu de loin, hein, ce connard. Il m'a vu de loin. Ah, nice, de l'alcool. Maintenant, il me faut des chiffons et je peux miler. Merci. Ici, j'ai fait le tour. Ouais. Après je cours mais il y aura peut-être une dernière vague, faut que je fasse gaffe. Pas envie de tout refaire là. Non ça m'a l'air bon. On va aller voir les chiottes des mecs. Non y'a rien. Ok cool, on peut continuer. Je commence à m'habituer au gameplay de la gamine, ça va. Tu peux moins mettre des patates. Avec Joël mettre des patates, c'est tellement gratuit. Elle est où la flèche que j'ai jetée? Ah putain, elle est cassée. Ta race. Avec Joël, c'était tellement gratuit. Même si t'avais pas de munitions, tu vois, tu patates les gens, c'est bon, tu vois. Bon, ça devrait faire l'affaire. Y avait pas besoin de... Tu l'as eu, Ellie.
Allez, gamine. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. T'as toujours pas appris à nager depuis ? J'espère que je vais pouvoir tuer cet enfoiré qui m'a dénoncé là. Parce que le mec avec la moustache, j'imagine qu'il a tenu parole, sinon il m'aurait tué direct là-bas. Mais l'autre connard, faut qu'on le retrouve. Non, en vrai ils étaient 1 million quand j'ai fait la suite quand j'ai fui à cheval. Ce truc me barre la route. Bon mec, tu peux te glisser. Ouais, te glisser. Et quelle heure? 23h. Alors on va peut-être pas finir le jeu aujourd'hui du coup. On aura bien avancé. Voilà le chemin. Tiens bon, Joël. Le chemin, c'est-à-dire. Oh merde, il y a encore des mecs. On doit ratisser la zone. Oh purée. Mais là je vais devoir faire un vrai gunfight. Ou alors faut la jouer discretos. Ça donne quoi? Pareil. Continuons à chercher. On va regarder là-bas. Toi, regarde en bas. Petit. Je vais te trouver. Putain, y'a personne d'assez proche. Oh merde. Oula. Elle est où cette morveuse? Oh merde. J'aurais dû appuyer sur triangle plus vite. Je suis tellement mort. Au secours. Non. Mais non, je suis pas là. Oh fuck. Bon d'accord, je suis peut-être là. Oh fuck. Tiens. Il m'a tarté, c'est vrai que c'est pas Joël. Mais je pensais que pendant qu'il est étourdi du coup de balle, je pouvais lui mettre un coup de couteau. Visiblement non. J'ai encore ma brique, nice. J'ai encore ma brique. Oh mais ils vont mettre 2 heures à arriver. Au secours. C'est bon. Merde.
C'est dur de voir correctement où ils sont. On va envoyer une brique ici, on va voir s'il va y aller. Il est un peu con, il va y aller. Juste s'il est un peu con. Bon, on va se retourner. Oula, oula, oula. Ouais. J'ai rien trouvé. La flèche. Non, il me regarde. Faut que je tire dessus quand il me regarde pas. Oh non. Maintenant. Ouais. Ça vous apprendra à me rush. Oh putain, il y en a encore. Il est tout seul? Non, ils sont deux. La deuxième vague. On va leur faire pareil. Hein. Autant qu'ils viennent, on va aller dessus, on va leur tirer dessus. Ils avancent quand même, moi j'ai l'impression, eux. Faudrait que j'aille un peu les chercher. Oh non! On va attendre qu'il se retourne. Merde. Oh merde. Il donne l'impression de pas trop venir alors qu'en fait il vient. Quelle merde! Le connard vient totalement. C'est bon. Oh, ce piège marche trop bien. Il est où l'autre vieux? C'est vraiment plus agréable que de combattre des zombies. Par contre, aucune idée où il est là. Ouais, il est là-bas quelque part, mais... Ah, il est là, ok. Non, ma flèche, connard! Putain. Est-ce qu'il y en a encore qui vont pop? Non, c'est bon. Je crois qu'on est plus ou moins safe. Je vais regarder s'ils n'ont pas laissé des... S'il n'y a pas du loot dans la zone et on va continuer. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Hein. T'utilises tes munitions et puis nique-toi. Comment je m'échappe d'ici? Avec la motoneige. Oh, d'accord, par là. Rip la motoneige. Voilà, tu peux pas faire demi-tour. Hein. On va déjà faire un heal. Un molotov. Voilà, on commence à se stuffer là.
où est la sortie? Normalement, il n'y a pas de mec ici. Parce que sinon, il serait sorti me chercher. Ça ferait pas de sens qu'il y ait des mecs dans une maison barricadée. Alors moi, je suis tranquille. On va quand même rester accroupi parce qu'on est plus fort accroupi. Pourquoi elle s'est levée là? Moi, j'ouvre pas la porte. Hein. Ça fait du bruit. T'as les ambiances, attendez. Ouais. On continue. J'ai fouillé là. What? Non! What? Et merde. Je suis revenu direct. Instant karma. Je me suis foiré. Oui, équiper une nouvelle arme. Oui, ça je sais. Pourquoi il me donne le tuto? Il est où ce connard? Putain. Vas-y là. Et que je vois, je lui envoie ça dans la gueule. En vrai, ça veut rien dire qu'il y ait des mecs. Ou alors il m'a vu de l'extérieur, mais ça veut dire que j'ai raté un type? Non. C'est quand je suis rentré, des nouveaux ennemis sont là. Je vais te buter, sale gamine. Je vais te faire la peau, sale gamine. Oh, saloperie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est possédé comme ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? Reviens ici que je te tue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, t'étais vraiment plus con que les autres. Ouais. Du loot. Vraiment plus con que les autres. S'il fallait choisir un con, c'était rang lui. C'est le tiercé gagnant. Par contre, il faut que je retrouve une bouteille du coup. J'en ai plus. Une bouteille, une brique. Il y en a sans doute ici. Allez, je tiens, donne-moi un item. N'importe quoi fera l'affaire en plus. Vous n'avez pas? Bon, je vais essayer d'ouvrir. Bon, je vais ouvrir cette porte, c'est chiant. On va essayer d'ouvrir l'œil pour une bouteille quand même. Ah bah voilà. Que c'était le miroir, merde. Je pensais que c'était un loot. Semblerait qu'il n'y ait personne.
Est-ce que sortir par la porte d'entrée serait une bonne idée? Je pense pas, mais bon. En plus, c'est bloqué. Ouais, je me disais bien. Oh non, connard, pas toi. T'es en sécurité. Le vieux? Ton copain m'a trahi. Oh, connard. Salaud. Et oh non. Fallait bien qu'on l'en trouve au bout d'un moment. Pourtant chasser c'est pas compliqué hein. Comment tu te sens? Super. Tiens. Mange pas. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Non. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Bah, y a des lapins dehors. Et des cerfs. Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi. J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. Touche pas trop quand même. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. Lève-toi, connard. Ellie. Ellie. Allez, c'est le moment d'être utile.